Bien, salut tout le monde, c'est Zachary et bienvenue sur GTA 5, donc là dans le fond, en seul ici, ça se passe avec tout amigo. Donc la dernière fois on avait pogné les 30 pièces de sous-marin. Ouais, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore pogner des affaires qui va pas rentrer pour aller 100% là, mais c'est pas sûr que ça. Ça va être encore des affaires, on va encore jouer dans l'eau, mais ouais, on va être encore sur l'eau à mon épisode là. C'est on va prendre à mon épisode là les déchets nucléaires qui va s'attirer encore dans l'eau. Donc la dernière fois c'est les pièces de sous-marin qu'on a situé dans l'eau. Et maintenant ça va être les déchets nucléaires qui vont s'attirer dans l'eau. Donc ça va être ça qui va être ça. Donc il y a aussi 30 déchets nucléaires, donc 30 pièces de sous-marin, 30 déchets nucléaires, c'est tigidou. Donc ouais, en tout cas, let's go. Donc j'ai encore pas parlé à mon épisode là comme d'habitude. Ça va que j'ai pogné des affaires, etc. Comme ça, je n'avais jamais parlé pour vous les montrer tous les emplacements. Donc j'ai pas parlé pour les sous les ponts et aussi pour les pièces de sous-marin. Ça va être la même affaire pour les déchets nucléaires là. Donc on va commencer. Ben en gros, j'ai deux options. Soit que je prenne les déchets nucléaires avec le bateau qu'on va envoyer juste ici, ou soit avec le sous-marin que j'ai juste ici. Ok, je vais faire un petit résumé avec les deux. Donc, si je veux trouver des déchets nucléaires avec le bateau, hein, le problème c'est que, oui, faut faire le tour de la map, ok? Pour trouver les 30 déchets nucléaires, faut faire tout le tour de la map, en tout cas. Faut faire tout le tour de la map dans l'eau. Puis, donc, si je prends le bateau pour trouver les déchets nucléaires, si je prends le bateau, voilà, que je fasse tout le tour de la map, ça roule vraiment vraiment plus rapide que le sous-marin. Ça roule très rapide, mais le problème c'est que je peux aussi respirer dans l'eau, parce que je peux être à l'infini dans l'eau, mais aussi avec le bateau j'ai pas l'application, donc je sais moins, c'est beaucoup dur de trouver les choses qui sont dans l'eau, mettons ici, etc. C'est vraiment dur trouver des choses dans l'eau, mais j'ai pas l'application. Tandis que je prends le sous-marin que vous voyez ici. Ça c'est beaucoup très lent, mais on a l'application, donc c'est beaucoup plus facile de trouver les déchets nucléaires. Donc je prends le sous-marin ou le bateau. Le bateau il est beaucoup plus rapide, mais on n'a pas l'application. Le sous-marin il est beaucoup moins rapide, mais on a l'application. J'ai aucune idée quoi prendre, voyons donc. Bonjour les gars, est-ce que je peux pêcher avec vous, voyons donc? Non? Ok, d'accord, ben prends ça. Oh, t'es sûr que tu as ça, toi? Hein? T'es sûr de ça? Ok, d'accord, mon gars. Puis l'autre, t'es vraiment sauté dans l'eau. Oh, putain, il est pas comment, lui? Oh, c'est vraiment ça que tu veux jouer? Bon, d'accord. Mais l'autre, là... Où c'est qu'il s'en va? Attends, what the fuck? Attendez une minute. Où est-ce qu'il s'en va? Ok, bon, ben... Bon appétit mon gars. Donc j'ai décidé quoi prendre. Donc on va commencer par le bateau, mais si je trouve vraiment pas, je viendrai sur ce sous-marin. Ouais. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec le sous-marin que je sais. Parce que ça veut que je fais le tour de la map en gros. Je prends au moins 2-3 heures juste pour faire le tour de la map tellement que c'est lent. Mais à mon autre épisode d'avant, j'ai pris le bateau et j'ai trouvé que ça allait super bien. Donc on va prendre le bateau. Mais qu'est-ce qui est cool avec le bateau, c'est qu'on peut respirer dans l'eau. On peut être à l'infini dans l'eau, donc je peux prendre mon temps à trouver des déchets nucléaires. C'est pas si grave que ça. C'est pas good, même. Hop, let's go, let. Fait que je préfère le bateau qui est beaucoup plus rapide. Le sous-marin. Non, il est vraiment lent. Oh. Fait que l'émission dans le début du jeu, là, quand même, là, avec le sous-marin, j'ai pas aimé contrôler le sous-marin. Non. Mais bon. Je vais tenter de trouver les déchets nucléaires en autant que ça prend pas 10 ans de les trouver. Bon, on va parler de mon passé. Donc, je me tais. Je vais vous montrer les 30 emplacements des déchets nucléaires. En même temps que je me rappelle sur vous, mais qui est dans l'eau, là. C'est très, très dur de trouver un endroit. Comme, mettons, ici, là. C'est très dur. Il va falloir que je fouille n'importe où. En tout cas, peut-être même pas là, je me rappelle plus exactement c'est où, là. Mais, en tout cas. Je vous laisse écouter. Je vais vous montrer les 30 emplacements comme d'habitude. Et on se retrouve à la fin de ma vidéo. Ciao!
Thank you.
Thank you.
Boy, nous sommes de retour à destination. Wow. Oh mon dieu, waouh, c'était de la bombe pour vrai, Willy. Donc j'ai décidé de faire tout le tour de la mer avec le putain de sous-marin. Oh là 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 là. Alright. Ok, donc oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pour ceux qui ne savent pas, dès le début de la vidéo, j'avais dit que j'allais prendre le bateau, qui c'est le bateau rouge juste ici. Mais le premier déchet nucléaire que j'ai pris,
j'ai décidé, quand je suis remonté à la surface, mon bateau avait disparu. Et là, j'ai décidé de revenir ici, de chercher le marin. Et là, j'ai décidé de faire le tour de la mer avec le sous-marin. Et oui, je peux vous dire quoi? C'était quelque chose en maudit que c'est l'enfer, l'entour 2 heures que j'ai la map, le tour de la map, dans le tour de la... Ben, peut-être pas tout ça fait 2 heures, mais ça fait presque 2 heures en ce moment, parce que là, c'est tellement long pour prendre les 30 déchets nucléaires, c'était crazy en maudit, parce que ouais, alright. Et là, on va sauvegarder, alors ça, on va s'arrêter là, avec que là, le prochain coup, on va voir ce qu'on va faire là, mais là... Ouh, je sais ça n'avance pas pour la liste 100%, mais c'est pas si grave que ça, mais... Oh putain! On va prendre une pause ici, parce que c'était quelque chose en maudit. C'est rien! On dirait que c'est rien, parce que ma vidéo est juste à près de 27 minutes. Mais c'est quelque chose, parce que là, c'était vraiment... Alors, c'est, ça fait un entour de 2 heures que je joue juste pour faire le tour de la map avec le maudit sous-marin, c'est pas incroyable. Mais bon, donc pour ça faire, on va sortir ici. En tout cas, les boys, on va sortir ici. On va se retrouver pour cette vidéo sur GTA V. Bye.